Harper Stanley, George Stanley, ça c'est le gars qui a fait le drapeau du Canada. Oh oui! Le Maple Leaf. Michel? Et lui, quand il était à Grand-Sault, on avait rouvi la Armories. J'étais maire, moi, qu'on avait fait le gouvernement fédéral acheter ça, le vieux Clark. Oui. Puis ça, il est venu pour l'ouverture de ça. Pour devenir bien le maire aussi. Oui. Puis je m'en rappelle, au conseil, on avait soit qu'on faisait trois voix ou quatre voix. Mm-hmm. Puis on a eu une assemblée, deux assemblées avec les. Les propriétaires de commerce sur le sujet. OK. Et là, ça a été décidé. Et moi, j'avais fait mon travail. J'avais été à Fredericton. Parce que Fredericton, on avait fait semblable. Mm-hmm. Puis j'ai dit, ouais, gérant, moi, puis tu veux dire quelque chose, je dis, donc, je ne pas. Si vous faites trois voix, puis dans deux ans, vous faites un autre voix, ça va vous coûter plus cher que faire les quatre voix. Effectivement. Oui, parce qu'il faut défaire vos affaires. Peux-tu mettre ça sur papier, tu vois? Grand-Sault, c'est moi qui a fait additionner Grand-Sault dans la force. J'ai fait ça à la législature du Nouveau-Brunswick. Puis c'était à Grand Falls. Ça fait des Acadiens, des certains groupes de Français qui ont commencé à mettre une pression dessus. J'ai dit, écoutez, là, faisons pas une guerre avec ça. Soyons calmes, ça va se faire. Ben, moi, j'ai descendu à Freighton, puis il fallait passer l'ordre dans les législatures du Nouveau-Brunswick. Pour avoir le droit de s'appeler Grand-Sault. Sans les autres. Quand j'ai arrivé ici, des entrants qui m'ont dit mais tu nous as ôté Grand Fort. Non, non. J'ai additionné Grand-Sault. C'est rendu comme ça qu'on va se voir. Ben oui, moi, c'est ce que j'ai connu. Il y a un autre qui passera de 3 gros de 5 à passer. C'est ce que j'ai connu. Oui. C'est ça que c'est. Mais là, j'essaie de vous trouver. Êtes-vous là-dessus? Moi, j'étais là-dessus. Vous devez être là-dessus, certain. Ça, c'est l'année là, que j'avais refusé de signer pour Toronto. Je ne vais pas plaisanter.